tous, bonjour à toutes. Alors, bientôt, les beaux jours qui reviennent, le printemps, on va réinvestir la terrasse, le jardin, les amis arrivent à la maison, l'apéritif et le fameux barbecue. Alors, on laisse tomber les merguez, les chipolatas, les entrecôtes, les côtelettes, de porc, d'agneau. On laisse tomber, c'est du déjà vu. Je vous propose, moi, le barbecue d'éléphant. Ah, il vous faut un gros barbecue, un petit éléphant. Vous l'installez, vous le videz l'éléphant, hein. Pas le barbecue. Non, l'éléphant, vous mettez du riz à l'intérieur, tout ce que vous voulez. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair. On a oublié de mettre la braise dans le barbecue. Ne faites pas l'erreur, parce que le babar, il ne va pas cuire comme ça tout seul. Voilà, vous le laissez cuire 2-3 semaines au maximum, ne vous trompez pas. Et vous pouvez le déguster. Avec un petit côte du Rhône emporté de Ching Chong Wong, vous allez vous régaler. On se retrouve la semaine prochaine, je vous donnerai la recette des brochettes de girafe.